Bonjour mes chers spectateurs, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous croyez dans toutes ces histoires que soi-disant les poissons dans l'océan sont en voie d'extinction à cause de la surpêche? Maintenant, je vais vous montrer quelques images et vous verrez pourquoi c'est comme ça, soi-disant. Ces images sont tournées à l'extrême-orient de la Russie, sur le saumon. Les images sont violentes et c'est frustrant que ça se passe comme ça. Regardez, je vais traduire comme il faut et après réfléchissez bien. Pourquoi? Mais si vous ne trouvez pas la réponse, je vous dirai pourquoi. Pour gonfler les prix sur le caviar rouge de saumon. 94e kilomètre d'autoroute vers Kamtchatka, l'extrême orient de la Russie. La plus grande route de saumon depuis les dernières 110 années. Ça se déroule actuellement en 2018. Ce sont les femelles non éventrées. Pour maintenir les prix en hausse, l'usine tout simplement jette le poisson. Encore un tas. Ils jettent le poisson dans la forêt ou laissent sur les côtes. On peut voir les traces les traces des pneus de camion. C'est comme ça qu'on pêche ici. Par contre, il est strictement interdit aux particuliers de pêcher. C'est le code pénal, tout de suite. Ils nous jettent derrière les barreaux. Par contre, ici, ils jettent le poisson. Voilà, on va voir. Ils sont tous connus ici. On s'est arrêté tout simplement pour voir qu'est-ce qu'il y a dans ces poissons. Ce sont les femelles non éventrées. Coupe le poisson. Et voilà, le ventre est gavé de caviar. Caviar de saumon. Caviar rouge de saumon. Du luxe. On va voir le suivant. Couple-là. Gavé. Plein de caviar. Encore. Encore. Les saloperies, les enfoirés. À Moscou, un kilo coûte. Encore une, regarde. La femelle, combien de caviar? Et tout ça dans le village Oktyabrsky. Ça me rend dingue en voyant tout ça. Le poisson éclate sous les roues de voiture et le caviar est propagé partout. Et voilà, vous avez regardé ces images terribles. Vous êtes dégoûté, déçu, mais vous inquiétez pas. Prochainement, je ferai une petite vidéo que vous rendra heureux et vous aurez un sourire sur votre bouche. Abonnez-vous à ma chaîne, comme ça, vous le verrez prochainement et ça vous amusera. Cette vidéo concerne la naissance d'une perruche, mais d'un œuf fissuré qui était bien bouché par le propriétaire des perruches. Et vous verrez, c'est magnifique.